C'est bien fait. Parce que sur les trois derniers matchs, je pense qu'on a fait le boulot. C'était un match difficile, mais c'était sûr parce que c'était une équipe qui venait jouer sa dernière cartouche, ou plus ou moins sa dernière cartouche. Et c'est vrai que nous, on est heureux, mais j'ai quand même une petite pensée pour eux parce que Dax, c'est quand même un club historique et je sais que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est très difficile. Je me souviens, avec le staff, on regardait le calendrier, on disait ce qui serait fabuleux, c'est que si on gagne Dax, ce jour-là, on se maintenu. Voilà, on avait dit ça au début de saison et on se retrouve à le faire. Donc c'est un grand bonheur, on se retrouve septième. C'est vraiment un grand bonheur pour le groupe parce que c'est un groupe qui évolue bien petit à petit, qui se construit doucement mais sûrement, je pense, et qui a un bel avenir devant lui, mais ça, c'est pas la première fois que je le dis. L'histoire de haut niveau de Nevers commence bien et je sais qu'elle finira bien en plus. Moi, ce que je voulais, c'était, je vous l'avais dit en début de saison, c'était finir fort de manière à être renforcé pour la saison d'après. C'est ce qui est en train de se passer, mais c'est pas fini. On va voir si on peut finir très fort. Et là, ça serait fantastique parce que tous ces acquis qu'il y a là aujourd'hui, ça va servir. C'est les fondations qui sont en train de se créer. C'est le match, on va dire, le plus important de la saison parce que mathématiquement, on est sûr d'être maintenu. Et on est vraiment content. Tout le monde a participé à la fête. C'est une bonne chose. Surtout que Dax venait pour gagner ici. Ils jouaient leur survie. Donc on a dû construire la victoire petit à petit. Ça s'est vu. D'ailleurs, ils nous enlèvent le bonus à la fin. Mais on est content et satisfait. On va essayer d'aller chercher plus haut, on va essayer d'aller gagner les matchs de fin de saison. Après, je crois que la sixième place, ça va être dur à aller chercher, mais on va pas se poser de questions, et on va viser plus haut par la suite. C'est pas ce soir qu'on loupe notre saison, on a loupé à domicile sur les deux derniers matchs, voilà, contre Angoulême et contre Carcassonne, on n'aurait pas dû perdre. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été courageux, on a fait un bon match, on a fait des bonnes choses, mais on est tombé sur une équipe qui était meilleure que nous, tout simplement. Et notamment 3-4 joueurs qui font une différence extraordinaire. Et si tu les mets de l'autre côté aujourd'hui, c'est peut-être le résultat est inversé. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire ce soir, parce que les joueurs ont été courageux.